Salut à toutes et à tous, c'est Vince Attack et nous voici pour le troisième épisode de Pokémon version Verfeuille. J'espère que vous allez bien les gens, ça va bien, je suis content de retourner dans cette région de Kanto, enfin, ah là là, je suis trop nostalgique comme gars, que voulez-vous que je vous dise. Bon bref, et ben, la dernière fois on avait traversé la forêt de Jade et du coup on était arrivé à Argenta. Donc voilà, alors j'ai pas touché à l'équipe, j'ai rien fait, j'ai pas fait d'XP, donc ouais, bon, il y a toujours Rattata, Bulbizarre et Pikachu. Alors Pikachu, je vais le poser dans la boîte parce que je vais pas m'en servir vu que je l'ai déjà utilisé dans la version rouge, hein. Donc bon, comme je vous ai expliqué, et pour ceux qui viennent d'arriver sur la vidéo, qui connaissent pas mes autres vidéos, simplement, je l'ai déjà utilisé, donc j'essaie d'éviter, voilà, d'utiliser les mêmes Pokémon dans mes séries quand même, parce que bon, faut un peu se renouveler, quoi. Qu'est-ce que ça veut dire? Ravi de te rencontrer. C'est pas gentil de ta part, tu pourrais au moins me répondre. Allez, mais on va te faire foutre. Allez, présente-toi au moins, j'aimerais quoi ton profil? Parle-moi de toi, tu viens de... Oh putain, qu'est-ce que ça peut être? Quel est ton profil? J'adore les Pokémon. Voilà un truc rigolo. Ça c'est bien nouveau, hein. Alors, ça c'est truc de nouvelle génération, les Pokémon, je sais pas, émotion. Battu, anxieux, content. Dégoûté, désastre, en colère. J'aime bien les Pokémon Furax, oui. J'adore les Pokémon Furax. Ton profil en dit vraiment long sur toi. Bah dis donc. Maintenant que je te connais mieux, on va devenir séparés. Bah, j'ai une copine. Oh là 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 là. J'ai changé des Pokémon avec ce gamin. Comme j'avais deux Pikachu, j'en ai changé. Oh, il t'a échangé contre quoi? Je veux vraiment un Pikachu, ça te dit, mais le faire en échange. Ah, fais chier, j'aurais pu avoir un échange, bon. Oh, Roudoudou, est-ce qu'il va nous endormir? Mais bon, ça sert à... c'est moins drôle que dans la version jaune où le Pikachu s'endort, on peut se barrer, le Pikachu il reste. C'était assez pas mal ça. Non, je vais pas trop écouter, tu vas m'endormir. Ouais, dans la version jaune c'est génial. Sans la version jaune, je la ferai un jeu. Bon, rien à foutre. Si... Non, rien à foutre, on fait 10 fois la même chose. Non, non, je voulais pas. Ah putain, j'aurais appuyé 3 fois sur le bouton. Eh ben, ça y est, vous êtes tous endormis les gens? Si vous êtes endormis, mettez-le en commentaire. Hein. Et on punira Rondoudou pour ça. Ça doit être baillé. En tout cas, Rondo de chante tous les Pokémon piquent du nez. Moi aussi. Pardon. Bon, et qu'est-ce que t'as, papy, là? Quoi? La Team Rocket te demande Sélénite, damnation. Bon, bah, on va se promener dans la ville, hein, on va se balader. On va se balader tranquillou, c'est ça, on a le temps de faire le champion. De toute façon, avec Bulby, on va tout déchirer dans l'arène. Les Pokémon sont faciles à capturer s'ils ont un problème de statut. Mais sommeil, poison, brûlure ou paralysie sont très efficaces. Mais attraper un Pokémon n'est jamais du tout cuit. Oui. Pokémon apprend des attaques en gagnant des niveaux, mais certaines attaques sont enseignées que par certaines personnes. Ouais. De toute façon, les débuts de jeu comme ça, il y a encore toujours des mecs, c'est chiant quoi. Allez, un gros, qu'est-ce qu'il va dire le gros pépère? Il y a vraiment pas de dresseur sérieux par ici. Il s'intéresse surtout aux insectes, rien de passionnant. Mais Pierre d'Argentin n'est pas comme ça, pas du tout. Oui, il fait ses gros cailloux. Psst, c'est ce que je fais, ben non. J'abrite du repos pour les meilleurs Pokémon dans mon jardin. Ah bon? Ok. C'est Argenta, le mât et le gris de la roche. Wow, j'aime ça. J'aime bien cette ville. C'est même si c'est la préférée, je crois que c'est Carmin-sur-Mer. Ah, toi, tu vas m'empêcher de passer, je parie. T'es dresseur? Pierre, j'ai un adversaire sur moi. Ben voilà. Voilà. On se fait agresser. Tatadon. J'adore la musique, par contre. Et ça bug à ce moment-là, ça fait un bruit affreux. Désolé. Ah, il y a le musée, tiens, faudra voir le musée avant d'aller dans l'arène. Même si ça sert à rien, c'est le principe. Tu t'en sens capable, tu devras affronter Pierre. Ouais, même pas peur. Hein. Pierre, arène Pokémon d'Argentin, champion Pierre. Le dresseur dur comme la pierre. Oh là là! On raconte que les Mélophées sont des habitants de la Lune. S'emparer après la chute de la pierre Lune sur le Mont Silith. Ok. Bon, allez, on va aller faire un petit tour au musée. Alors le musée qui est très bien fait là, très très joli. Musée des sciences d'Argenta. Ah, ça a changé depuis. C'est toujours 50 boules, oui. 50 boules le ticket pour un enfant. On le vend, bah oui. Hein. Oh oui, c'est gentil. Allez, on va regarder les fossiles. Fossiles d'Optère, un Pokémon rare et ancien. Oh, c'est stylé. Je pensais pas que je pourrais vivre suffisamment vieux pour pouvoir vivre, voir des os de dragon. Oh là là. Ah, ok, putain, c'est stylé en fossile. Fossile de Kabutops, un Pokémon rare et ancien. Oh, la navette. Je veux un Pikachu, papa, maman, trop bien. Oui, tu vas avoir ton Pikachu, c'est ça. Ouais. En gros, il va lui foutre une claque dans sa gueule. Oh, c'est pas gentil. Navette spatiale, ok.
Qu'est-ce que t'as à dire, toi? Nous faisons une exposition sur l'espace. Ça m'a tout l'air. Bon, vous voyez que ça sert à rien d'aller dans ce musée, mais j'aime bien. Écoutez, c'est la tradition, on fait ça comme ça. Pierre-Lune? Ouais, et alors? Petit con, tu savais à quoi ça servait? Un météore du Mont Sélénite. Serait-ce une Pierre-Lune? 20 juillet 1969. L'homme marchait sur la Lune. J'ai acheté une télécouleur pour voir toute l'immense de la Lune. Bah, c'est énorme, ça. Eh oui, de rien, on n'y pense pas, mais ça commence à dater. Bientôt, prochaine étape, ça sera aller sur Mars, les gens. Bon, bah voilà, on a fait le tour. Alors, évidemment, on peut... Il y a un passage secret, mais il faut voir coupe. Alors, regardez, c'est là-bas. Hop, il faut, voilà, faut couper l'arbuste. Pour aller faire renaître Ptera. Hein. Enfin, non, on a le fossile de Ptera et on va le sacrer en oisille, quoi. Oh, Nidoran. Nidoran, assis. Nidoni, d'accord. Je suis tout à fait d'accord avec ce qu'il dit. Notre Pokémon est un échanger difficile à maîtriser. Un échanger est un Pokémon échangé avec un autre joueur. Il grandit vite, mais il n'en fait qu'un sa tête pendant les combats. Seulement, nous avions des badges. C'est vrai, ça, c'est pas mal, ça. Ça me fait toujours penser au Dracofeu de Sacha qui l'écoutait pas, bon, même s'il l'a pas échangé. C'est toujours dans ce principe-là. Déjà, visité le musée, oui. Fossiles de Mont-Sélénite sont intéressants. J'aurais dit non, il m'aurait ramené là-bas, j'en suis sûr. Des potions, oh fuck, pff, pas besoin. Rien à foutre, hein, lui, on fout une branlée à cette arène. Oh bah, bizarre, on a l'avantage du type qui va faire très mal, hein, je pense. Et là, je me fais casser la gueule violemment. On va voir ça. Salut, graine de champion! Je ne suis pas dresseur, mais quand c'est ton avisé, laisse-moi te mener à la victoire. Allez, vas-y, mon coco. Ok, c'est parti. Le premier Pokémon apparaissant dans un combat est celui à gauche dans la liste Pokémon. En changeant l'ordre des Pokémon, tu changes ta stratégie. C'est différent des adversaires. Ouais. On s'en fout. On connaît. Arène Pokémon d'Argenta, champion pierre. Vainqueur, Registre. Le petit con, il passe toujours avant moi. Il est énervant ce Registre. De loup. Olivier vénère Pierre là-haut. Une minute. Tu es encore loin de pouvoir te battre contre Pierre. Tu dois m'affronter avant. Alors lui, je crois qu'il a pas du tout des Pokémon Rush avec des Pokémon Sol, à moins qu'ils aient corrigé ça avec ce remake. Ouais, ils ont corrigé ça. Oh, les fumiers. Bon, Ratata, je crois pas. Parce qu'il avait Sablette et Topicker dans la version rouge, si je me souviens bien. Bon, c'est pas grave, avec Bubi, ça va le faire. Oh, c'est vilain. One shot, hop là, ça se fait. Sablette, ouais, on va changer. Ben, mettre attacheur, Ratata peut le battre. Allez, peut-être. Avec Vive Attack, on sait pas. Hein. Ouais, ouais, alors dans les commentaires, vous m'avez dit que Ratata, c'est pas une bonne idée. Patati patata, la ligue. Eh ben, on sait jamais. Moi, je vais vous prouver le contraire. Voilà. Ben, vous me donnez encore plus envie de le garder. Ben, personne en veut. Je suis sûr que maîtriser. Surtout que j'ai vu que Crofatal, qu'il apprend au niveau 40, quoi, en Ratata. C'est assez génial, hein. Ça, en fait, ça enlève, si vous voulez, la moitié des PV, quoi qu'il se passe, quoi. C'est-à-dire, là, par exemple, le Sablette, ouais. S'il avait toute sa vie, ça lui couperait la moitié de sa vie, et après, voilà, là, dans ce cas-là, où il a pas beaucoup de PV, ça lui enlèverait la moitié de ses PV qu'il a actuellement. Dans tous les cas, ça enlève la moitié des PV qu'il a actuellement. Donc, la combo à faire, c'est Crofatal et Crodemort, quoi. Crodemort qui enlève 80, qui fait 80 de dégâts. Alors, on enlève la moitié avec Crofatal et on achève avec Crodemort. Et je peux vous dire, je pense que ça peut être un bon bouquin. J'ai jamais testé, donc je me suis un peu renseigné. Et merde, il peut être pas mal. Bon, par contre, Ratata, j'aimerais bien que tu le touches, quoi, merde. Prouve aux gens que t'es un bon. Voilà. C'est vrai, quoi. Mais j'ai envie d'un peu faire des trucs un peu Pokémon que je prends jamais. Zut! J'aurais dû te laisser passer. Personne en veut, ce pauvre Ratata, il est trop mignon. Tu sais te battre, mais pas aussi bien que Pierre. Rien à foutre. On va soigner Bulbi, hein, pour la peine. Malgré tout. Ok. Oh, ça devrait le faire. Je suis Pierre, le champion d'Argenta. Je crois en la grande force de la pierre, c'est pourquoi mes Pokémon sont des proches. Oh, il casse le délire là, avec leur. Toujours te battre avec moi, même en sachant que tu vas perdre. Très bien, en garde. Ouais, parce qu'il faisait. Je suis Pierre, champion de la pierre, Pierre. Et là, il dit Roche, ça casse tout. On va commencer par champion Pierre. Raikaiou. J'adore le cri de Raikaiou. Dans un éléphant. Non. Ah, la musique, elle est sympa, là. Tadam, c'est pas pour dire, mais je préfère celle-là à ceux de OM. Hein. Tadam.
Ah ouais, boule armure. Ok. Prends-toi un Foliade. Oh, c'est méchant. Mais ouais, je vous le dis que c'est pas très dur cette arène. On va même faire tourner, tiens. On va switcher. Ouais, des fous. Oh, Onyx, je sais pas s'il a patience. Je crois qu'il a tombe roche. La place de patience. Je crois qu'il doit avoir charge. Patience, c'était dangereux quand même si on faisait trop le con avec. Hein. Bon, maintenant, je crois que c'était remplacé par tombe roche. Bon, je crois que sur Bulbizarre, ça devrait pas faire trop mal de dégâts, mais. Oh, je dis de la merde! Faut jamais sous-estimer les Onyx. C'est vrai, c'est. Tindindon. Ah, c'est bon, tu vas te calmer, hein. Ah, c'est bon. Vitesse, ok. Je vais faire un petit vampigraine histoire de. Ah, j'ai sous-estimé hein, le Onyx. Faut jamais sous-estimer hein, le Onyx. Merde, c'est un putain de serpent de pierre qui fait plus de 8 mètres, hein. C'est une belle bestiole. Allez, Foliane. Oh, il traîne ça. Oh, il est méchant. Bah voilà, bon. Je suis un peu inquiété pour rien, mais j'aurais pu y passer tout à l'heure. Niveau 13, oh yeah. Ocre de mort. Excellent, excellent, excellent. Bulbi, niveau 12. Oh, mais c'est génial, c'est génial. Et tu champion pierre. Beau combat. J'étais trop sûr de moi, c'est pour ça que j'ai perdu. En reconnaissance de ta victoire, aussi le badge roche. C'est un badge officiel de la Ligue Pokémon. Les Pokémon de son détenteur deviennent plus puissants. La technique Flash peut être utilisée. Ouais, très bien. Merci pour toutes tes infos. Attends, prends ça avec toi. Ah là, c'est une CT intéressante pour un début de jeu. Hein. Cette capsule technique contient une attaque enseignée à un Pokémon. Une CT ne marche qu'une fois. Alors choisis bien le Pokémon à qui le donner. La CT 39 contient ton broche. Avec cette capacité, ton Pokémon lancera des rochers sur son ennemi pour baisser sa vitesse. Ok, merci. Il y a plusieurs types de dresseurs dans le monde. Selon l'être un dresseur d'exception, va à l'arène d'Azuria pour tester tes capacités. Tantalan. J'adore la musique des arènes. Je le savais, tu as l'âme d'un champion. Merci. Bon, là maintenant on va se casser d'Argentin. C'était. Ouais, le Onyx aurait pu me foutre en l'air parce qu'avec Rattata j'aurais pas pu battre son Onyx. Hein. Moi, tuer mon Bulbizarre, j'aurais été dans la merde. Ça aurait pu passer un cheveu, bon. Ça a paru être un combat facile, mais pas tant que ça. Enfin, j'ai failli faire de la merde, quoi. Mais ça a été. Bon. Mais écoutez, je pense qu'on va faire le chemin où il y a tous les dresseurs et aller jusqu'au Mont Sélénite et on s'arrêtera devant le Mont Sélénite. Ça me paraît bien, oui. Bon, je vais prendre quelques trucs quand même parce que là c'est des dresseurs. Alors, ça se trouve des Pokémon insectes qui vont me faire chier. Avec, des Aspicots avec, avec Darvenin. Donc, on va s'équiper. Potion, hop. Pokéball, ouais, on va en prendre. Bon, on claque toutes nos fric hein, comme ça. C'est fait pour. Hein. J'en ai déjà des Pokéballs, mais c'est pas grave. On en a jamais assez. Je capturerai plein de Pokémon, comme ça j'aurai du choix, faire une belle petite équipe sympa. Ah! Oh, un scientifique maintenant. Oh, Vince! Content de te voir, je suis l'assistant du prochain. On m'a demandé de te donner ça alors, voilà. Oh, des chaussures de sport! Oh là là. Parce que ça n'a pas de chaussures de sport, on peut pas courir dans Pokémon. Ils ont laissé ces chaussures pour me les mettre, ces chaussures de sport. Et bien, on peut tomber pour courir, mais seulement là où, tu as de la place pour ça. Bon, je retourne au labo, au revoir. Oh, trop fort, les scientifiques font des. Qui donne des chaussures. Il y a un mot avec. Vince, voilà une paire de chaussures de sport, mon petit bouchon. Bon courage, ta maman. Oh, ma maman qui se fait prendre par le professeur Chen. Oh, pardon. Alors, c'est parti. Tout. Hop, il y a peut-être des trucs là. Non, je sais pas. Non, il y a rien, sérieux. Par contre, ça fait du bien de courir. Ah là là, ça par contre, c'est une nouveauté que j'ai jamais craché dessus. Quoi. Bon, t'es un combat. Tu veux ma photo je sais pas. Je sais pas. Ah oh, oui, t'es bien Mimi, toi. Attention, mais des photos comment? Hein? Pas trop olé olé, hein, pour mon âge. Allez hop, croc de mort. Waouh! Il y a même des effets spéciaux. One shot. Il est pas badass, mon Rattata, hein? Je vais vous l'entendre dire. Hein. Allez voir, je vais vous prouver que c'est un Pokémon de ouf. Tac.
quitter cette tech. Non, mais je vous le dis, hein. Tiens, c'est ma photo. Ah oui. Oh, c'est... J'ai trop d'émotion. Baisse les yeux si tu veux éviter le baston. Non, moi j'aime ça. Alors, si je dis pas de conneries, résumé. Doom. Ah, mais je me plante dans mes touches. Pourquoi je fais de la merde comme ça? Expliquez-moi pourquoi. Voilà, 80 quoi. Blesse d'un coup, pas pour l'ennemi. D'un coup de croupe. C'est pas mal, je vous dis. Les deux. Parce que Crow, en fait, Crow Fatal n'est pas plus fort que Crow de mort, mais. C'est une, c'est spécial. Enfin, vivement que je la prenne aussi, Crow Fatal. Mais ça sera dans très longtemps, ça. Et on s'est déjà vu dans la forêt de Jade. Oh, c'est bien. Je t'ai foutu une branlée en fait. Yeah! Je suis un scout. Doudou! Et hop. Pas de patience. Voilà. Ah mais c'est terrible cette attaque. Ça porte bien son nom. Non, on ne change pas. Quand il sera 14, je switcherai avec, avec Bubi. Voilà. Non mais je fais des carnages avec Ratata, hein. Regardez. Hein, il se moque de Ratata. Et il déchire tout. Il va m'être très utile, je pense, Pokémon. Ah, la Lix, je pense que ça peut être très bien, non, non. Et on peut, je pense qu'on peut lui apprendre des CT intéressantes. Ah, on a battu Scout. Bah alors? Bah, tu m'as encore battu, voilà. Bah voilà. Bah voilà. En tant que des chenilles. Il y a beaucoup de Pokémon différents dans la forêt. On va mettre Bulby. Oui, je bloom. Qu'est-ce que t'as à toi, sale gosse? Yaha, j'adore les shorts, viens de battre. Tu as des goûts bizarres. Tu aimes avoir les jambes à l'air, c'est ça? Petit coquinou. Gamin Ben. Ratata. Oh, j'aurais dû mettre mon Ratata contre Ratata. Dommage, mais bon. Entraîner Bulby, chacun son tour. Tadam, tout doux, doux, doux. Hop là. Ah, il m'a fait des dégâts le salaud. Ah beau. Ah, ça peut être très efficace les attaques. Intimidation de Beau réduit l'attaque, ça c'est pas sympa. Bah charge, hein, parce que Folienne ça peut lui faire grand chose vu qu'il est poison. Oh là là. On va changer. On va mettre notre Ratata. Ah zut. Ah, je suis ligoté, fais chier. On va faire Folian, on va voir si ça fait plus de dégâts. Ah, c'est un peu mieux. Pas très efficace, mais c'est un peu mieux. Bon, ça, Darvenant, on va pas... Mais... Ah, mais il va me mettre KO, mon Bulbizarre. Non, je suis dégoûté. Oh, non. Oh, Bulby, non. Bah, vous voyez, vraiment qu'on aura Tata. T'as mis KO mon Pokémon, ça va pas se passer comme ça. Au revoir. Doudou. Nya, tu m'as taillé un short. Toi aussi, hein, petit con. T'as mis KO mon Bulby. Pour ranger tes Pokémon, t'es un PC, j'ai beau te contenir 30 Pokémon. On s'en fout, t'as blessé mon Pokémon, je suis vexé. Toudou, toutou. Touloutou. Touloutoutou. Hop. Allez, c'est reparti les kiki. Ok, bon. Ah, c'est vrai que les débuts de jeu, on n'a pas trop le choix avec les Pokémon, donc c'est vrai que c'est pas toujours facile. En fait, ce qui est Bulbizarre, l'avantage, c'est que pour les premières arènes, les trois premières arènes, il est tranquille. Mais après, c'est vrai que les dresseurs du coin ont des Pokémon un peu chiants, vol, insectes et tout. Merde. Ce regard que tu m'as lancé, c'est plutôt intriguant. Ouais, je sais pas, j'ai pas regardé, non. Non, d'abord, enfin, elle se prend pour qui? Ratata. Bah, il faut entraîner Bulbizarre, il est pas assez fort, là. S'il se fait mettre KO comme ça, c'est pas normal. Putain, non, non, non. Hop, Foyan. Mais que, on s'en fout. On s'en fout. Parce que la meilleure défense, c'est l'attaque.
Quand là, il me fait un coup, il peut me faire très mal. Yon. Lidoran, non. On les... Oh, quoique, c'est pas une... Ah, quand on les poisons, de toute façon, là, j'ai pas d'attaque bien utile contre eux. C'est un peu chiant, ça. Bon, on va peut-être... avec charge, allez. Oh là, il me baisse toutes mes stats, les méchants. On de vilain pas beau. Riff. Hop. Hop là. Bon, on est toujours mal en point. C'est plus sympa. Évite les regards si tu veux pas combattre. Ok, on va soigner notre bulle bizarre. C'est triste à dire, mais Ratatak est plus fort que Bulle bizarre pour l'instant. Enfin. Par rapport à ces types là quoi. Enfin il a des meilleures attaques que bizarre, c'est surtout ça. T'adresseur à l'attaque. Comme là il va me donner des insectes, bon Foliane ça va pas faire grand chose. Et charge c'est une petite attaque quoi. Donc voilà quoi, hein, Bulbi. Oh je t'aime bien Bulbi. Darvenin. Bon au moins ce qui est bien, il craindra pas le poison. Allez tranquille. Et vas-y, continue, rien à foutre. Rien à foutre. Mais alors, aucun respect. Hop. Je n'y pas, hein, on change pas. Hop. On changera tout à l'heure. Non, 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 non. Vitesse de bulle bizarre baisse, on s'en fout, on est des fichous, on casse tout. Hein. Casser la gueule à ce pampan. Allez, casse la gueule à pampan. Voilà. Charge, non. Ouais, les combats au début sont très passionnants, hein, je sais. Charge, sécrétion, ça fait rêver. Ouais, ça sera après que ça sera plus sympa, il dort, hein, fil du temps. Hein. Mais bon, on veut bien commencer avec des attaques simples. Hein. Alors, si tu veux apprendre quelque chose, toi. Focator, non, co-confort. Bon, là, on va prendre Ratata, hein, ça va durer. Lucifer armure, ça va durer très longtemps le combat. Co-confort. Il est stylé, j'aime bien. Comme je disais, c'est tête d'alien un peu. Hop là. One shot, on s'en fout. On est comme ça. Ouais, cri d'acier, pareil. Un croc de mort. Et c'est bon. Non, mais ce qui est bien, voilà, c'est que dès le début du jeu, on a une attaque un peu super badass, quoi. C'est assez sympa, ça, quand même. Merde. Hein. C'est pour ça. Faut penser à le prendre, je regrette pas d'avoir dans mon équipe. Avec d'autres Pokémon, j'aurais gagné. Quand l'une des boîtes de ton PC est pleine, active une autre boîte. Ouais, pas de soucis. Bah du coup... Oh, on va bien switcher, donc on va laisser Bulle bizarre. Quand le fichier prend plein de dégâts. Oh, c'est une petite animation quand on passe pas, c'est joli. C'est mignon. C'est vraiment une version sympa. Ok, faut avouer. Oh, y'a un autre combat là-bas, mais fuck. Fais gaffe à mes nouveaux Pokémon. Vas-y. Bah, c'est super original. Let's go, je n'y pense pas encore qu'il y a ce qui est. Waouh. Tantantantampon. Oh, vilain. Vilain, pas beau. Alors là, j'aime pas me faire cracher dessus comme ça. J'accepte pas. C'est wesh wesh le chenipon, je te crache sur la gueule. Un à foutre. Hop là. Doudou. Crise d'acier, on va changer. Oh, c'est bien là, c'est équitable les niveaux de mes Pokémon, je sens bien. C'est ni trop élevé en plus, il y a du challenge. C'est pas drôle quand c'est trop facile. Et je pense qu'on va capturer pas mal de Pokémon là, parce qu'après dans le coin il y a un coin d'herbe où je crois qu'il y a des rondoudous, des trucs comme ça. Bon, on va s'amuser. Hein. On va, même si on les met pas tous dans notre équipe, on va essayer d'en capturer pas mal de Pokémon. Je pensais que je trouve un Pokémon oiseau pour avoir vol plus tard. Taratata il grimpe, mine de rien. Ben il m'en faut des nouveaux. Et je crois qu'il évolue dans 5 niveaux Ratata en plus. Alors pas mal d'évolution bientôt. Les Pokémon dressés sont plus forts que les Pokémon sauvages. Bah c'est un peu logique.
Qu'est-ce qu'il y a, toi? Qu'est-ce qu'il y a? Un seul qu'un rondou, je crois. Hé, tu m'as poussé, là? Allô? Je suis pas content. Oh, fillette Suzette! Oh oui, fillette Suzette, rondoudou! Bloum! Oh, il est mignon, rondoudou! Le Pokémon le plus mignon de tous les temps. Qui peut être aussi le plus casse-couille. Oh, c'est l'oreille du bizarre, quand même. Parce qu'il m'endort. Petit con! Oh, t'es vraiment casse-couille, toi. Hein. Fais la bouboule. Oh, je suis une bouboule, c'est trop. Rondoudou! Vraiment, c'est le Pokémon le plus adorable. Et sa pré-évolution, vous avez fait tout doudou, c'est moins mignon, je suis désolé. Désolé. Bloum bloum. Rondoudou! Ah, était marrant dans la série, n'empêche, avec. Fait qu'il endorme tout le monde et qu'il crie sur la tronche de tout le monde. Non, Bulbizarre, il est mignon, mais merde. Te laisse pas avoir par les apparences, Bulbizarre. Non, non. Gars, il veut que ton mal. Bulbizarre n'est plus une entrave. Non, putain. Non, 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 non. Oh, connard. Bulbizarre, t'es un connard, là. Et voilà. Ah, mais deux fois qu'il est KO, lui, c'est pas possible. Ah, mais c'est quoi ce... Ah. Moi, je suis vexé. Tiens, dégage. Merci. Bah écoute, patron c'est ratata, c'est tout. C'est tout, c'est comme ça. Ok. La route 4 est au pied du mont Sélénite. Oh, sans blague. Bon, il y a des Pokémon là, sympa. Féro-singe, ça m'intéresse pas. Oh non, tout le monde le prend lui. J'ai regardé des vidéos de d'autres gens qui faisaient aussi des verfeuilles ou rouge-feu. Et les mecs, mais tous hein, quasiment... À 90% dans leur équipe, ils ont un Colossinge et un Aqualie. C'est fou ça. Donc, je ne prendrai aucun des deux. Puis Aqualie, j'avais déjà pris dans la version rouge. Pour faire plaisir à un pote, à moi, en plus. Oh, un Piafabec. J'en ai déjà un. Fais chier. Bon, on va se casser, il n'y a rien d'intéressant. Ouais, je suis vexé, je me casse. Plus mon Bulbizarre est KO. Hein, voilà. Voilà. Super. Qu'est-ce que t'as à dire, toi? Piou! Je vais me faire une halte, Mouarf! Celui venant d'Azuria est épuisant. Ok. Toum, poum, poum. Un rourou, un roucoul. Vite, t'en capture un. Pff, on va voir. S'il reste CPV, j'essaie de le capturer. Ok, nickel, j'essaie de le capturer. Ah, il va me falloir un Pokémon vol. Hein. De toute façon. Ce sera pratique, quoi. Donc autant en prendre un tout de suite, après tout j'ai prudent d'en prendre un plus tard. Ça peut être pratique. Je l'entraînerai en off, je pense. Un petit peu quoi, parce qu'il va être un peu largué. Et des recoules sont ajoutés au Pokédex. On aperçoit souvent dans les forêts. Il brasse l'air de ses ailes près du sol pour projeter du sable. Non, non, on donne pas de surnom. Parce que moi j'aime bien les vrais noms, je trouve sympa, c'est bien recherché. Oh, c'est le Badge Roche, c'est pire qu'il l'a donné, non? Il est cool. Il est très fort, les gens l'aiment et le respectent. Je voudrais devenir champion d'arène comme lui. Bah écoute, il y a moyen. Ah, je trouve juste un Pokémon Roche, Regaillou. Oh, mais t'es trop con. Oh, ça fait les dialogues sans face sur A, c'est marrant. Soignez vos Pokémon, son Pokémon. Bon, c'est une entrée du tunnel. Ok. Ah, c'est pas là qu'il y a un mec qui nous vend un Magikarp. Je sais plus. Mais au centre Pokémon, ouais. Il est où? Il y a un mec qui vend un Magikarp. Et je sais que j'achète toujours pour le fun, donc je vais l'acheter. C'est parce que c'est drôle de se faire arnaquer 500 boules. J'ai 6 Pokéball à ma ceinture, on peut ne transporter que 6 Pokémon. Team Rocket a encore attaqué les habitants d'Azuria. Pas une journée sans qu'on parle d'eux. Tu devrais ranger tes Pokémon en trop en utilisant un PC. C'est un journal. Ok, sans blague, sans déconner. Bon, ah, ça doit être lui là, il a vraiment une tête d'arnaqueur. Bonjour l'ami, j'ai une super affaire à te proposer, je t'offre un Magikarp pour 500 en Pokédex, qu'en dis-tu? Allez, on se fait arnaquer, on aime bien. Vin se fait avoir. Ah, j'adore le dialogue. Vin se fait avoir et achète un Magikarp. Ah, je kiffe. Oui. Oh, puis non, j'ai pas d'idée. Arnaque, je sais pas, grosse arnaque. Non, oh, allez, c'est bon. De toute façon. Non, mais c'est con parce que. On va le pêcher, on peut le pêcher, on a à l'infini des Magikarp. Après, l'Eliator, il vaut le coup, mais...
Jicquard. Bleh. Oh, il est même discret. Glissade, monte la vitesse et il pleut. Ouais, bon, allez. De toute façon, on va pas le garder. Hein. J'ai peut-être d'autres idées pour des Pokémon. Bon, bref, en attendant. J'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à laisser vos impressions. Moquez-vous de Bulle Bizarre qui s'est fait mettre KO deux fois. Voilà, lâchez-vous. Mettez un petit pouce bleu. N'hésitez pas à vous abonner si vous venez d'arriver. Hein, voilà. Puis voilà, profitez de la vie, comme je dis toujours, j'aime bien dire ça après la vidéo. Mais c'est vrai, faut y penser. Et donc voilà, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. Et on va traverser le Mont Sélénite. Allez, salut à toutes et à tous.